Bonjour et bienvenue sur le stand d'Autodesk. Alors, je vais vous présenter quelque chose de super. Ça s'appelle Generative Design. Ah, ça c'est le seul truc qu'il fallait que vous loupiez pas sur Batimat, donc c'est maintenant. Alors, me concernant moi, donc moi je m'appelle Olivier Bide, donc je suis un employé Autodesk. Ça fait 11 ans que je travaille chez Autodesk, je suis de formation ingénieur structure. Et mon travail, c'est justement, ben, je le fais là devant vous, c'est de vous parler des solutions Autodesk, que ce soit solutions logicielles ou solutions cloud. Parce que Autodesk, c'est près de 80 logiciels, donc bon, ben, essayez de naviguer à travers ces logiciels, donc je suis là pour vous aider. Et s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est de vous abonner à ce blog qui s'appelle Village BIM. C'est en fait un blog assez technique qui va parler de la vision d'Autodesk, des produits Autodesk, et vous trouverez aussi des tutos sur différents logiciels tels que Revit, Recap, un peu d'AutoCAD et puis autres, et toutes les solutions 1360 que je vous ai présentées ce matin. Alors, vous savez que le plus est inévitable. En 2050, nous serons 10 milliards. On est 6 et des poussières, là, donc 10 milliards dans pas longtemps. Donc ben, on va être plus sur la Terre. Mais le problème, c'est qu'on a moins de choses à dépenser, parce qu'on a moins de pétrole, moins de minerais précieux, donc il va falloir faire avec du moins. Mais on a l'opportunité de faire mieux en se servant un petit peu plus de notre cerveau, parce que vous savez, l'être humain a toujours avancé quand on avait des problèmes. Donc espérons qu'on passe le cap, sinon ben, on ne le verra pas passer. Hein. Et donc c'est ce que je vous propose, de passer le cap avec du plus de créativité, plus d'opportunités. Parce qu'en fait, c'est quand on recherche des solutions qu'on trouve des solutions. À l'heure actuelle, on commence à chercher. Mais aussi de faire du mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est de travailler, de faire de plus durable. De réutilisable, et puis avec du moins, donc gaspiller moins de temps, moins de déchets, et limiter les risques. Puisque à l'horizon 2050, nous serons 10 milliards, donc ça veut dire qu'il y aura plus de monde dans les villes, il va falloir construire encore plus de choses et de façon plus rapide, mais il va falloir limiter les risques, et puis la production de déchets qui à l'heure actuelle dans le monde du bâtiment est importante. Alors là, je vous trace la courbe de l'évolution de la conception au cours du temps. Donc on commence, vous voyez, moi j'étais pas né. Est-ce qu'il y en a qui étaient nés là? Ouais, désolé. Moi je suis né à peu près. Ah non, je suis plus par là. Quand j'étais plus jeune, je me disais, bah, je suis plus. Non, mais maintenant je suis par là. Donc bon, voilà. Donc moi je suis né avec la CAO. Là c'est CAD, mais on va dire CAO, conception assistée par ordinateur. Je me souviens de l'AutoCAD avec la disquette souple. Lui, il n'a pas connu ça, David. Hein. Lui, il a connu le SSD. Il n'y a même plus de disquette. C'est tout dans le cloud. Bon, arrivé de Revit, dans cette zone-là, avec le paramétrage et le BIM. Et donc, on appelle ça l'ère de la documentation, parce que le but, c'était de modéliser pour avoir des documents pour pouvoir le fabriquer sur le chantier. Maintenant, on est à peu près dans cette ère-là, l'ère de l'interopérabilité et de la photogrammétrie. Photogrammétrie, c'est la technologie pour capturer la réalité. À partir de photos, je vais assembler ces photos pour constituer un modèle 3D et pour pouvoir le réutiliser a posteriori. Donc ça, c'est l'ère de l'optimisation. Parce que ici, donc dans la partie Generative Design dont je vais parler maintenant, vous allez voir, on va passer vraiment dans l'optimisation de ce qu'on a pré-paramétré ici. Et après, si on regarde un petit peu plus loin, entre 2010, 2020 et voire un petit peu plus loin, on est dans l'ère de la construction automatisée. On essaie de copier ce que font les gens de la mécanique pour fabriquer des voitures, essayer de peut-être l'uniformiser dans le monde de la construction. Je sais que ça ne va pas être facile, mais on essaye. Et puis, ça, on le voit de plus en plus, l'Internet des objets, ou en anglais IoT, Internet of Things, c'est la possibilité d'équiper de capteurs chaque. On est dans le bâtiment, on parle de bâtiment, de chaque appareil dans le bâtiment, il va nous retourner des informations, beaucoup d'informations, on appelle ça le big data, et au travers de toutes ces informations, les traiter, par exemple par l'intelligence artificielle, pour être proactif par rapport aux résultats attendus. Donc ça, c'est l'ère de la connectivité. Donc on va être tous connectés,
Et donc, Autodesk travaille dans ce domaine-là. Et donc, moi, ce que je vais illustrer dans mon propos, c'est le generative design. Alors, la conception traditionnelle, vous l'avez constaté, c'est des choses qu'on a apprises à l'école. On aurait pu croire que c'est un dessin de Léonard de Vinci. Et actuellement, il y a l'exposition de Léonard de Vinci à Paris. Donc, je vous invite à aller la visiter. Qui, entre nous, était un petit copieur, hein, Léonard de Vinci. Hein, dans ses travaux, il copiait sur ses copains d'avant. Hein. Bon, bref. Donc, après, on est passé au dessin assisté par ordinateur. Donc, tracer des cercles parfaits, parce qu'avant, avec un compas, on essayait de tracer presque parfait, mais avec un ordinateur, c'est parfait. Donc ça, moi je suis né avec ça. Mais par contre, tout ça, c'était un petit peu le jeu de bataille navale. Vous mettiez quelque chose dans votre dessin et vous regardiez ce qui se fait après sur le chantier, si ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Bon, après, si vous avez fait une école juste avant, on vous dit, il faut que tu fasses comme ça se passera bien après. Donc c'est un peu un jeu de bataille navale. Donc le but ici, dans le generative design, c'est de changer un petit peu cette donnée-là. De faire un peu au pif et on va voir ce qui va se passer après. Donc on parle de conception paramétrique. Un humain, toujours au départ vous avez un humain. Bon, parce que c'est la base, hein. Pas d'humain, pas de choses après. Avec un ordinateur, donc en fait avec ce que vous avez appris à l'école, en utilisant un ordinateur, on a quelque chose qui en sort derrière. Donc on appelle ça la modélisation paramétrique. Et comme je disais, c'est apparu avec Revit. Donc là c'est des images de Revit. Alors on va venir sélectionner un périmètre ici. Et on va créer des modèles conceptuels, comme vous pouvez voir ici. Voilà. Je mets en fait une côte ici, et je la rends paramétrique. Ça veut dire que si je déplace, si je clique sur la côte, je mets une valeur, ça va se déplacer le trait. Pour vous, c'est finger in the nose. Mais à l'époque, moi, quand je suis né, ça n'existait pas. Et donc, Revit a amené ce concept-là de rendre paramétrique les modèles pour faire des modifications plus facilement. Et Revit, l'avantage aussi, si vous modifiez un endroit, ça se modifie partout. Alors pour vous maintenant, c'est ou qui utilisez peut-être déjà Revit, c'est pas une révolution, mais à l'époque c'était une révolution. Et vous voyez donc en fait dès que je modifie quelque chose, ça change un peu partout. On voit que le bâtiment a été généré. Bon, ok, ça c'est du paramétrique. Après le but c'est après le paramétrage de cette conception, c'est d'automatiser les choses. Alors notamment donc Revit, pour ceux qui connaissent, vous utilisez Revit. Revit en fait, si je le place dans un genre de graphe avec la dépense d'énergie intellectuelle et ici les difficultés engendrées, Revit il va du bon, assez facile jusqu'à très complexe peut-être, avec bien sûr on voit que la droite est ascendante parce que plus je fais un truc qui dépense d'énergie, plus c'est difficile, ou l'inverse, plus c'est difficile, plus je dépense d'énergie. Alors pour vous aider quand c'est vraiment très compliqué, il y a les API de Revit. API de Revit, c'est la programmation qui va vous permettre d'automatiser des choses ou de modéliser des choses plus complexes. Par contre, ça nécessite du développement. C'est du C++, c'est des langages un peu évolués, donc il faut être du métier du développeur. Par contre, là où on peut vous apporter un petit peu plus de facilité dans le développement de cette application, c'est Dynamo, c'est un plugin qui vient sur Revit, on appelle ça du visual scripting, du programme visuel, qui permet, en fait, si je ne connais pas le développement informatique au sens littéral, sémantique du terme, je peux utiliser Dynamo, en fait, qui a une apparence, vous allez le voir au travers de cette vidéo, toujours sur le même problème. Donc là, c'est l'interface Dynamo, vous voyez, ici, un nœud représente une fonctionnalité. Avec cette fonctionnalité, je vais sélectionner le périmètre de tout à l'heure. Et puis, chacune des boîtes, ici, représente une fonctionnalité, avec des entrées et des sorties. Vous voyez, je génère auto-bâtiment grâce à ce petit code, il n'est pas gros, hein. Je peux générer un bâtiment en un clic. Et l'avantage, c'est que c'est paramétrique. Je peux jouer sur les hauteurs d'étage, je peux jouer sur la taille du modèle. Et donc, grâce à ça, je me sers du paramétrique de Revit et je l'optimise dans le plugin qui s'appelle Dynamo. Alors, vous voyez, ce n'est pas des notions très complexes. Hein. On voit que c'est des nœuds avec des sorties. Vous voyez, ça me donne les airs, le nombre d'étages, la surface d'isolation. Enfin, on peut faire ce qu'on veut. Et une fois que j'ai fait ça, lancer la truc et ça va le renvoyer dans Revit. Donc en fait on peut optimiser dans Dynamo et puis envoyer le résultat final dans Revit. Ça c'est la première étape, hein. On peut faire un peu plus compliqué. Là c'est appliqué à de la géométrie, mais on peut faire du calcul, on peut faire tout ce qui est informatisable, on peut le faire à partir de Dynamo. Et de façon simple,
sans avoir à coder les choses. Alors, aussi ici dans cet exemple, je vais vous montrer la possibilité de cacher cette partie-là, Dynamo, et de la rendre visible uniquement pour un utilisateur simple. Il n'a pas besoin de savoir ce qui se cache derrière. Donc, dans cette présentation ici, vous voyez, c'est les nomenclatures, enfin, c'est les feuilles qui sont en lettres minuscules, et je démarre quelque chose qui s'appelle Dynamo Player. Et donc, ce Dynamo Player va lancer le code Dynamo qui est caché pour mettre en lettres majuscules ici. En un clic, l'utilisateur il génère les modifications sans voir le code qu'il y a derrière. Donc, en fait, en amont, il y a quelqu'un qui a développé le code, qui l'a enregistré dans cette liste de paramètres, on va dire, et il lance la chose et ça le fait automatiquement. Et l'utilisateur final n'a pas besoin de savoir ce qui se cache derrière. Donc, c'est Dynamo Player. Alors maintenant, on rentre, on va monter d'un stade supérieur, c'est le Generative Design. Generative Design, c'est en fait, vous voyez, heureusement, il y a toujours un humain, hein, ça veut dire qu'on sera toujours là au départ. Bon, à la fin, ça change un petit peu, mais à la base, c'est l'humain parce que lui, l'humain, il va rentrer les caractéristiques, les géométries initiales, les caractéristiques et les contraintes, et à partir de ces caractéristiques, contraintes initiales, il va vous générer quelque chose in fine. Mais ce quelque chose, c'est plus vous qui le maîtrisez, c'est la puissance du cloud. Et à la rigueur, j'aurais pu, pour que ce soit moins angoissant, rajouter un humain derrière ici, pour dire que c'est l'humain au final qui fait le choix de la solution la plus optimisée pour lui. Donc le principe c'est quoi? J'ai l'humain, ok, il y a un algorithme qui tourne, on se sert de la puissance du cloud, pourquoi? Parce qu'on a une ferme de serveurs, on va découper le calcul en plusieurs sous-calculs, et une fois que tous les calculs sont faits, on les réunit sous forme de visuels, on verra après ce que c'est ces visuels, pour que vous puissiez faire votre choix final. Donc en fait, rapidement dit, les données, donc contraintes et exigences, je génère une solution, j'évalue cette solution, et je fais évoluer cette solution jusqu'à la génération, ainsi de suite, et au final, il va afficher toutes les solutions. Donc en fait, c'est une petite boucle, et cette boucle, comme je disais, elle tourne sur le cloud. Le projet, en fait, c'est pas un logiciel à l'heure actuelle, c'est un projet, le projet s'appelle Refinery. Donc c'est en fait un algorithme basé sur en fait sur la génération d'ADN en fait. On prend une population, on la fait croître pour trouver des solutions. C'est un algorithme, il y a un nom spécifique, c'est un algorithme génétique, mais je me demande le terme exact, il y a un terme qui se cache derrière. Et tout ça c'est connecté à Revit. Déjà si vous utilisez Revit, c'est déjà pas mal. Donc au final, les données et les contraintes sont données dans Dynamo, c'est pour ça que je vous le présentais en amont. Et après, tout ça est envoyé sur le cloud pour optimiser les solutions, et puis on peut le renvoyer dans Revit si on veut. Donc, l'exemple, je reprends le même exemple de tout à l'heure, où, rappelez-vous, je sélectionnais le périmètre ici, je générais mon bâtiment, mais le bâtiment était généré dans Dynamo. Là maintenant, en fait, je dis que les entrées de mes données de Dynamo sont des entrées, et les sorties sont des sorties. Vous voyez, hop, it's an output. Et là, en fait, je vais lancer le projet Refinery. Donc, vous remarquez que sur Revit, j'ai rien, j'ai aucun bâtiment encore. Donc, dans Dynamo, j'en ai qu'un. Et le problème, c'est qu'il faut que je joue sur tous les curseurs pour trouver le bâtiment optimisé. Sauf que, ici, dans Refinery, c'est lui qui va le faire par l'intermédiaire de la force brute. Ça veut dire qu'il va prendre une position, tous les autres paramètres, il change la position, il va prendre les autres paramètres, ainsi de suite, il va faire toutes les solutions possibles et inimaginables. Donc là en fait, on va maximiser ou minimiser certains paramètres, ou voir certains les ignorer, par exemple moi les hauteurs d'étage je m'en fous, et d'estimer une population de solutions, et je lance le calcul. Donc là, ça c'est lancé sur le cloud, et vous voyez, il y a des premières solutions qui sortent, je peux les organiser dans un graphe quadridimensionnel, X, Y, la taille et la couleur. J'organise un petit peu le visuel de ce graphe. Et ici, j'ai les différentes solutions par rapport à mes contraintes que j'avais mis au départ. J'ai différents types d'affichage. Je peux avoir les résultats. Je peux avoir, voilà, je vois tous les résultats, le nombre de positions, les aires, les façades. J'ai ce type aussi de résultats qui me permet, en fonction d'une solution, de voir les paramètres qui ont été utilisés. Et au final, une fois que j'ai senti qu'une solution était plus proche de mes besoins,
je vais pouvoir la sélectionner et la renvoyer par mes vite. Voilà, bon, il vous montre ici qu'il sélectionne automatiquement s'il vient de changer un dynamo. Vous voyez, il clique dessus dans le dynamo s'il vient de changer. Donc là, c'est l'interaction cloud logiciel. Hein. Je clique, ça va automatiquement le mettre à jour. Et l'étape d'après, c'est de me dire ici, de dire envoyer dans Revit. Au lieu de mettre 0, je mets 1. Et lorsque je vais générer, ça va directement l'envoyer, ben, vous voyez, hop, dans Revit. Et alors, parmi les 1000 ou 2000 solutions, j'en ai choisi une en conscience avec ce graphe. Je l'ai sélectionné et automatiquement, Dynamo l'a renvoyé dans Revit. Et moi, avec mon éducation, quand je ne suivais pas à l'école, ben, peut-être que moi, je ne serais pas tombé sur cette solution-là, où on m'avait focalisé, mon prof de méca, où il m'avait dit, mais les bâtiments, il faut qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça. Donc, grâce à cette solution-là, vous sortez hors du champ de ce que vous avez pu peut-être apprendre, et vous servez de votre cerveau à bon escient de dire, ben, oui, c'est cette solution qui me paraissait absurde au départ, mais maintenant, c'est la bonne solution. Parce qu'on a, on a sorti tout. Alors, le principal problème de ce genre c'est le départ, en fait. C'est bien rentrer vos contraintes initiales, les géométries. Et une fois que vous avez tout paramétré, par contre, si vous avez oublié une hypothèse, je ne sais pas, la thermique ou quelque chose comme ça, ben, si vous l'avez oublié, il n'en tiendra pas compte dans son calcul. Donc, c'est vraiment en amont où il faut bien réfléchir aux choses. Alors, un autre exemple, je vais en passer quelques heures en vous les commentant. Donc là, c'est un problème structurel. Là, c'est en fait un demi-tour. Voilà. Là, pareil, je joue sur différentes entrées et différents résultats. Le nombre de solutions que j'estime qui serait bon pour moi, mais après, on peut faire plusieurs simulations. Là, j'en mets 200. Pareil, je clique. Là, vous voyez, le calcul est en train de se générer. Et là, les solutions commencent à apparaître. Et là, vous voyez, elles sont marquées sous forme de points. Et en fait, je vais pouvoir les organiser X, Y. Voilà, X, Y, la taille et la couleur. Et en fonction de mes options, je vais pouvoir sélectionner la meilleure pour moi. Et ça va être réinjecté dans Dynamo. Et si Dynamo est connecté à Revit, eh bien, je la renvoie dans Revit. Donc, on parle souvent d'architecture. Là, ici, vous avez un truc structure. C'est-à-dire que là, vous avez, un treillis tridimensionnel. Et là, on va faire des calculs, vous voyez, le score de déformation. Donc, c'est calculatoire, c'est pas que géométrique. Et en fonction, donc par exemple, moi, si en X, c'est la déformation, là, on est sur des déformations qui sont de l'ordre de 8 mm, par exemple. Est-ce que ça correspond bien à ce que je voulais? Donc, je vais peut-être sélectionner cette solution-là. Je vois les autres paramètres qui sont ici affichés. Et une fois que moi j'ai sélectionné la bonne solution, je vais pouvoir la renvoyer directement dans Dynamo et Revit. En fait, vous avez bien compris, c'est le triptyque Revit, Dynamo et Refinery. Voilà, et je la retrouve dans Dynamo, la structure ou le tri que j'ai sélectionné. Alors, on parle aussi d'architecture, on parle d'ingénierie, mais on peut parler aussi de chantier. Vous savez, moi à l'école, il y avait des cours de construction où placer la grue correctement pour qu'elle approvisionne correctement le chantier. Mais pourquoi pas se servir de refinery pour générer en fait les positions de grue et leur impact au niveau du chantier. Est-ce qu'on a besoin d'une, deux, trois grues? Donc là, en fait, vous voyez, là on a fonctionné avec deux grues. Ça faisait partie des paramètres de base. Et il va nous calculer la position idéale des deux grues pour approvisionner tout le chantier. Et là encore une fois, il suffira de cliquer la bonne solution, enfin la solution qui vous va le mieux, qui répond au plus de contraintes, et vous allez les retourner dans Dynamo et dans Revit. Ouais. En fait, le generative design qui est ici, s'inscrit en fait dans un truc un peu plus large. C'est qu'on va pouvoir y associer. Bon, là, l'évaluation et la faire évoluer la solution. Et après, on peut y associer le design. Ça veut dire que, oui, il y a une solution qui est très pragmatique, qui répond à toutes vos contraintes. Et pourquoi pas y associer l'aspect visuel? Est-ce que la solution finale vous donne de beaux bureaux ou des choses comme ça? Une fois sélectionné, on pourrait aussi y associer l'Internet des objets, donc l'IoT. Pourquoi pas administrer ce bâtiment? Par exemple, si on a fait un bâtiment doit répondre aux contraintes thermiques,
visuel pour voir l'extérieur, les contraintes de lumière artificielle qui viennent de l'extérieur vers l'intérieur. Pourquoi pas y associer des capteurs? Et ces capteurs vont mesurer exactement ce qu'on avait précalculé avant. Et si ce n'est pas bon, on pourrait pourquoi pas renvoyer les véritables résultats au niveau du départ et réinjecter dans la boucle. Voilà. C'est une idée, mais c'est possible. C'est-à-dire que vos hypothèses de base n'étaient pas bonnes et grâce au capteur, ça permet en fait de plus s'approcher de la réalité. Alors, encore une fois, le generative design s'inscrit en fait dans une suite évolutive. Vous voyez, on parlait d'AutoCAD avec des logiciels, donc on était à l'approche traditionnelle du dessin. Arrivée la vraie CAO, on va dire, avec Revit, paramétrique et aide à la décision. Dynamo rajoute l'automatisation de ce paramétrage au travers de Revit, donc Dynamo for Revit, je rappelle. Et après, dans la partie Generative Design, qui est à l'heure actuelle dans Autodesk comme un produit bêta, ce n'est pas un produit que vous pouvez acheter tout de suite, puisqu'il est en cours d'évolution. Donc en fait, ici, là, vous avez bien compris, c'est en fait la main est donnée au cloud, il va vous générer toutes les solutions possibles et inimaginables par rapport à vos données de base, et ça sera à vous de choisir après la solution des solutions la plus optimisée pour vous. Donc présenter, un petit peu plus loin, l'étape d'après, une fois que ça sera, on est bien avancé, on va dire qu'on est à 80%, presque 90% de ce qu'on voulait achever. Ce qu'on veut faire derrière, c'est y associer le machine learning. C'est que, en fait, le machine learning, c'est la machine qui va apprendre en fonction de vos différents projets que vous avez déjà créés, va apprendre votre façon de travailler, votre façon, quand vous sélectionnez une solution, ben, il voit à peu près vers quoi vous voulez aller. Et là, il pourra vous proposer. Oh, putain! C'est les clés là, qui s'accrochent aux clés. Et donc, une fois que vous avez fait 4, 5, une dizaine de simulations, le logiciel vous proposera d'emblée les premières solutions qui sont très proches de ce que vous avez sélectionné avant. Donc machine learning. Et aussi tout ça, donc ça s'inscrit dans des logiciels. Des logiciels, lorsqu'on est dans le design automatisation, bon, on retrouvera du BIM, BIM 360, on retrouvera du Revit, du Dynamo. Je ne vais pas parler de Forge, mais à la rigueur, ce n'est pas trop la peine. Dans le design computation, on va retrouver du Revit et du Dynamo. Et en fait, plus on va loin et plus on est sur des solutions, notamment ici, est-ce que, par exemple, pour le machine learning, est-ce qu'on va utiliser Dynamo? Donc là, pour le moment, c'est des sujets de recherche chez nous. Mais sachez que si vous voulez vous arrêter là, dans la pyramide, vous pouvez déjà le faire, puisque c'est un projet bêta, vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment pas compliqué de l'utiliser, notamment si vous êtes des adhérents à notre blog Village BIM. Ben, vous avez un article du 16 novembre, on ne peut pas être plus précis, qui parle du generative design et qui vous explique de A à Z comment j'installe, comment je fais un script Dynamo et comment je vais utiliser le projet Refinery. C'est relativement simple, tout c'est qu'il faut connaître un petit peu comment ça s'articule. Voilà, Village BIM, et voilà, le fameux exemple. Voilà. Vous voyez, bon, c'est joli, il y a des couleurs, déjà c'est pas mal. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, question. J'ai vu que vous avez changé, on peut changer les dimensions du bâtiment et ainsi de suite, mais si vous avez des meubles à l'intérieur, est-ce que les meubles vont se déplacer et tout? Si vous mettez des contraintes, vous dites que votre meuble doit être placé à 2 cm du mur, si le mur bouge, le meuble va bouger. Mais il faut mettre la contrainte. S'il n'y a pas la contrainte, ça ne fonctionnera pas. Bien sûr, le mur va se déplacer et le lit restera là où il était.